Pourquoi tu dois te lancer, tu dois commencer à créer un business en ligne si tu veux un jour avoir une certaine liberté. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Je suis coach et spécialiste en lancement d'entreprise sur Internet et je vous accompagne sur cette chaîne YouTube et à travers de mes coachings à vous créer une vie exceptionnelle, à vous créer un business qui va vous aider à vivre la vie que vous avez envie de vivre. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, en fait, l'explication, c'est que on est dans un moment de crise. On est encore en plein Covid au moment où je suis en train de filmer cette vidéo. Il y a de plus en plus de personnes qui ont pris conscience que leur vie n'était pas la vie qu'ils souhaitaient avoir. C'est pas la vie qu'ils veulent réellement avoir. Aujourd'hui, voilà, vous êtes au travail, vous êtes vachement dépendant de vos déplacements, vous êtes dépendant des revenus de votre entreprise. Si votre entreprise se crache, vous gagnez plus d'argent et finalement vous gagnez pas tant que ça d'argent et vous n'avez pas une vie qui vous fait vraiment vibrer. Et les business sur Internet, les entreprises sur Internet, gagner de l'argent sur Internet. Alors je vous parle pas de gagner de l'argent avec en répondant à des formulaires ou en répondant à des questionnaires sur Internet ou en allant, je sais pas faire quoi sur des applications de jeux de casino. Je vous parle de vraies entreprises dans lesquelles vous allez répondre à des problématiques de clients et vous allez leur offrir des solutions, des vraies solutions, pas de l'arnaque, hein, des vraies solutions. Et en fait, l'avantage d'avoir une entreprise sur Internet, la première chose, c'est que avant de vous donner de la liberté, tout ça, et avant que vous gagniez beaucoup d'argent, ça vous force déjà à faire une grande introspection sur vous et savoir exactement ce que vous êtes capable d'apporter à un marché. Donc, ça va vous aider déjà à devenir une personne beaucoup plus, j'allais dire mature, mais c'est plus que de la maturité, c'est que vous allez devenir une personne qui comprend exactement quelle est votre valeur sur Terre. Donc, ça va aussi augmenter votre autoconfiance, votre estime de vous, ça va augmenter votre calme, votre sagesse quelque part en vous disant bah, maintenant je sais qui je suis et je sais que je peux apporter quelque chose au monde, quelque chose à des personnes qu'on en a besoin. Et c'est déjà un premier pas vachement intéressant parce que même si vous n'arrivez pas tout de suite à gagner de l'argent sur votre premier business, le fait de vous lancer, le fait de comprendre les difficultés qu'il y a à créer un business, déjà, ça va vous permettre de rationaliser par rapport à votre travail, rationaliser par rapport à votre situation. Et un business sur Internet, on peut monter un business aujourd'hui quasiment 100% gratuitement et aller toucher déjà des gros compléments de revenus, 500, 1000, 1200, 1800 euros, 2000 euros, suivant ce qu'est un complément de revenu pour vous. Mais on peut le faire avec des outils gratuits. Et c'est ça qui est assez génial. D'ailleurs, si vous voulez que je vous explique en gros quel est le premier pas aujourd'hui pour vous lancer et pour lancer votre business et pour faire le premier pas vers votre liberté, en bas de cette vidéo, je vous ai mis un lien. C'est une formation gratuite, une conférence qui s'appelle Le premier pas vers votre liberté. Et l'idée, c'était vraiment de vous partager, finalement, quelles sont les étapes pour se créer la liberté. Donc, on va revenir au sujet. La deuxième chose, du coup, d'un business, c'est qu'on peut monter un business gratuitement. Et aujourd'hui, sur YouTube, si vous suivez cette chaîne YouTube, par exemple, vous avez largement le contenu nécessaire pour vous faire 500, 1000, 1200, 2000 euros par mois de complément de revenus en travaillant quand même, il faut le dire, 2, 3 heures par jour. D'accord? Mais c'est possible de le faire. En plus, en ce moment, on est en télétravail. 1 heure le matin, 2 heures le soir, 1 heure par exemple, de 7 h à 8 h. Et puis, le soir, vous faites de 5 h à 19 h. Il faut savoir que pendant le Covid, vous avez des YouTubeurs, des personnes qui se sont lancées sur YouTube, qui ont, parce que ça fait un an maintenant, en un an, ils ont fait plus de 100 000 followers sur leur chaîne YouTube et aujourd'hui ils vivent de leur vie et ils n'ont plus du tout, du tout, du tout besoin de retourner dans leur travail de l'époque parce qu'ils avaient été licenciés à cause du Covid. Donc c'est possible. Donc deuxième chose, on peut gagner de l'argent en investissant très très peu. Donc c'est ça qui est vachement aussi intéressant sur les business en ligne. Donc première chose, ça vous fait grandir. Deuxième chose, vous pouvez le faire de façon gratuitement. Troisième chose, ça va quand même vous faire un complément de revenu. Donc ça va vous permettre de vous asseoir financièrement et de vous rassurer si jamais il y a encore une autre crise. Quatrième chose d'un business en ligne, du coup, ça vous apprend aussi sur le premier business, vous n'avez peut-être pas gagné des fortunes, mais ça vous apprend la mécanique d'une entreprise, la mécanique d'aller chercher à générer du chiffre d'affaires, la responsabilité de faire appel à des fournisseurs, de faire appel à des prestataires de services. Et donc, ça va vous former à pouvoir demain créer quelque chose d'encore
beaucoup plus gros. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que plus vous allez vous planter, plus vous allez avoir des difficultés tôt, plus rapidement vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, plus vous allez pouvoir demain gagner beaucoup d'argent. Parce que gagner de l'argent, c'est pas une fin. Par contre, ce qui fait que vous allez gagner de l'argent, c'est la compréhension très très fine ou d'un marché ou d'une problématique que vous allez pouvoir résoudre et surtout le fonctionnement d'un business en ligne. Donc, quatrième chose, ça vous permet de vous assurer un avenir demain. Enfin, cinquième chose, et c'est pour moi quelque part le plus intéressant, c'est que cette maturité que vous allez avoir dans votre business, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Cet argent-là, vous allez pouvoir l'investir dans d'autres ou d'autres business ou d'autres sources de revenus. En multipliant comme ça les sources de revenus, vous allez pouvoir vous asseoir une liberté financière imposante qui vous permettra d'avoir une vraie liberté. Et surtout, en fait, cette liberté, une fois que maintenant vous avez la capacité de travailler de votre activité, vous allez pouvoir vous payer des formations, vous allez pouvoir vous payer des cours spécifiques sur des sur votre passion, sur des activités sportives, vous allez pouvoir voyager plus. Et en fait, ça va, tout ça va créer un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous avez gagné en maturité en essayant, vous avez quand même gagné un petit peu d'argent. Avec cet argent, vous arrivez à investir votre argent dans des formations. Vous apprenez donc à vous développer et à faire plus de chiffre d'affaires. En faisant plus de chiffre d'affaires, vous avez les moyens de vous payer des services ou des outils plus chers, de meilleure qualité, et ainsi de suite. Vous créez, du coup, ce que je disais tout à l'heure, cette capacité à faire grossir votre business, grossir votre avenir et réellement vivre la vie que vous voulez. Parce que aujourd'hui, gagner 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois sur Internet, ça se fait en un an, en deux ans, en trois ans. Et ça changerait, j'imagine, beaucoup votre vie si vous pouviez gagner 10 000 euros par mois, même 5 000 euros par mois avec un business sur Internet. Alors, ce n'est pas la première entreprise que vous allez monter qui va vous permettre de faire ça, mais cette première entreprise va vous faire gagner 400, 500, 600, 1 000 euros par mois peut-être, et va vous permettre d'investir dans des formations ou des accompagnements. Par exemple, moi, aujourd'hui, la plupart de mes clients sont sur leur deuxième business en ligne, en tout cas sur l'adaptation du premier business. Ils gagnent déjà un petit peu l'argent et ils investissent une partie de cet argent avec moi en coaching, et on va chercher des sommes bien plus intéressantes. On prend la responsabilité d'entrepreneur, on va déléguer certaines tâches, on va chercher du chiffre d'affaires, on va chercher de la croissance, on augmente nos prix, on augmente notre mentalité d'entrepreneur et on devient des super entrepreneurs, super heureux, avec une liberté aussi bien financière mais que géographique, parce que un business en ligne, c'est une liberté géographique, c'est-à-dire que même si vous restez en France, vous n'êtes pas obligé d'être à Paris, vous pouvez aller travailler à la campagne, dans un hôtel, chez vos parents, parce que vous n'avez pas envie de rester en Covid enfermé chez vous à Paris, bah, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il y a la liberté, du coup, je l'ai dit, géographique, financière, et il y a la liberté émotionnelle aussi. Et quand vous savez que l'argent attend, mais vous êtes bien financièrement, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de savoir comment vous allez payer les factures demain, c'est quand même sympa, on se sent plutôt pas mal. Et donc justement, alors c'est pour ça qu'il faut se lancer rapidement et se lancer sur ses premières expériences d'entrepreneur sur Internet. Pour ça, je vous ai créé cette formation « Les premiers pas pour votre liberté ». Vraiment, c'est vraiment la première étape. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais vous donner des exemples de comment moi, j'ai créé au fur et à mesure, parce que j'ai commencé à 16 ans, moi, à gagner de l'argent sur Internet. J'en ai 34. Donc, ça fait quand même quelques années, ça fait 14 ans, du coup, que je mets des business en ligne. Alors, ils n'ont pas tous fonctionné, mais tous ont quand même fait un petit peu d'argent, ce qui m'a permis, au final, de les accumuler, ces sources de revenus, et de gagner bien ma vie. Et donc, au final, je vous montrerai que c'est aussi réalisable pour vous. Même si vous n'avez pas de compétences sur Internet, vous ne savez pas faire des vidéos, vous ne savez pas écrire des articles, vous ne savez pas gérer les réseaux sociaux et vous ne savez pas quel produit. En fait, ça s'apprend assez facilement, ce n'est pas très très long. Et surtout, en fait, vraiment tout le monde peut le faire, parce qu'il y a des outils qui nous permettent de ne pas avoir besoin de compétences techniques pour réussir. Donc, n'importe qui peut réussir. Je vous assure que j'ai vu des personnes réussir qui n'auraient, en fait, elles n'arrivaient même pas à avoir de travail parce qu'elles n'avaient aucune compétence
achetable par les entreprises, entre guillemets, puisque la preuve, en fait, c'était des personnes très compétentes, puisqu'elles ont réussi à gagner beaucoup d'argent sur Internet. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pris conscience de l'intérêt de vous lancer. C'est aussi votre responsabilité aujourd'hui de réussir, d'aller changer votre vie et de ne plus être aussi dépendant. Vous pouvez le faire en étant salarié et avoir une source de revenus supplémentaire, puis après vous allez créer une autre source de revenus, puis une autre source de revenus, puis vous allez vous multiplier les sources de revenus. La plupart des personnes qui ont beaucoup de succès, on pourrait dire millionnaires, je ne sais même pas si c'est du succès d'être millionnaire, mais ont 5 à 7 sources de revenus différentes. Vous en avez combien? Une. Quand cette source de revenus ne fonctionne pas, c'est galère. Au pire, vous en avez deux, mais deux, c'est aussi galère si c'est l'immobilier, parce que c'est pas hyper rentable. Si vous êtes à 5% annuel, c'est cool. Là, on est en train de parler quand même d'une source de revenus qui peut générer 500 à 1000 euros par mois en travaillant 3 heures par jour. C'est quand même intéressant. Surtout, du coup, si vous travaillez 6 heures, vous allez peut-être multiplier vos revenus. Voilà ce que je voulais vous dire pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez m'aider à faire en sorte que cette vidéo soit connue et que si vous pensez qu'elle peut aider des personnes, partagez-la, commentez, parce que commenter, c'est hyper important sur YouTube. Ça permet à l'algorithme de savoir que la vidéo crée de l'intérêt et donc il va la mettre en avant. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous retrouve dans cette mini formation gratuite. C'est un webinaire qui va vous expliquer quels sont les premiers pas pour aller chercher votre liberté. De mon côté, je vous souhaite énormément de succès et je vous dis à demain.